jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Hein? Hey, j'ai dit, hein, c'est quel artiste ça? Lady Ponce. Qui? Lady Ponce. Eh, hey, qui? Donc c'est Lady Ponce qui expose son corps comme ça? Oui. C'est pas possible. Regardez par vous-même ce qu'une artiste de renom, ah, une artiste renommée de manière internationale comme Lady Ponce peut faire. Hey, shh, gars. Présentez-nous un peu bien sa tenue, la voix. Hey. Eh oui. Oh, c'est merci. Ça va chauffer maintenant. Ça va péter. Massa, nous se font encore vraiment de la musique ou bien c'est autre chose? Puisque lorsqu'on observe bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre la couleur de sa peau et la couleur de la robe. Eh, alors, on a souffert. Ha! Chégué! Ouah, après on va dire que Cynthia Tiangan est montée et descendue. Aucune décence, aucune classe, aucune maturité, une mère comme ça. Non, c'est déçoit, je suis déçu. C'est vraiment déçoit ça. Elle porte un habit totalement transparent. Oh, wow. Totalement transparent. Oh, wow. On met les organes. Qu'est-ce qui justifie vraiment ça? Elle a encore quoi à nous prouver? Je te dis que... Lady Ponce, elle a quoi à prouver? Hein? Si c'est le talent, elle a... Voilà. Elle a quoi à prouver au jour d'aujourd'hui? Point d'interrogation. Mon frère, dis-nous un peu. Allez, dis. Mais c'est quand même à la fin. Quoi? Tu dis quoi, Baba? Et moi, je dis franchement, il fallait quand même qu'on souffle dans cette république. La toile était trop triste. What? Tout le monde était crispé. Un peu, tu veux rigoler? C'est la Prado noire, sans tache que tu vois. L'histoire que tu engages là. Ça va te dépasser. Hey, laisse les gens. Vous, les femmes, soyez sages. Et voilà maintenant que Lady Ponce, elle a compris. Elle a compris quoi? Elle sait ce qui retient encore les Camerounais au Cameroun. Ah bon? Ah bon? C'est quoi comme ça? Et c'est le piment. Quoi? Le piment. Maman, et elle a encore le debout, hein? Avec les meubles. Bien debout. Les deux. À 40 ans, je me demande, elle entretient même ça comment? Mais moi, je me pose quand même les questions. Laquelle? Tantine Lady, à ton âge. 40 ans. 40 ans. Peut-être elle a déjà plus, hein? Presque 50 ans et bientôt 60 ans. Tu as les enfants qui sont déjà des vieux. Tu as tout le peuple camerounais derrière toi qui te soutient et te pousse à aller de l'avant. Et malgré tout ça, tu as encore les meubles dodus comme ça. Ah, maman, ya, baisse le niveau. Vraiment, on est ça nous met notre cœur mal au cœur. Vraiment, c'est le Magouya là qui me fait pitié. Le dieu cyclone, Magouya. Quelqu'un qui a les grosses mains comme ça, il appuie les choses, il porte le feu à la salle. Il est passé là, mais c'est toujours tendu. Mais ne négligez pas aussi le jour de Ismaël Yala. Le gars de Ismaël Yala, il a vu, il a laissé même la musique. Il est derrière là, mais c'est toujours tendu. D'autres disent même qu'elle a 31 ans, Maza. Mais comme ça, je vois les gens dire qu'elle a 31 ans. Je doute fortement qu'elle ait 31 ans seulement. Certainement, c'est l'âge de la musique, comme en football. En vrai? Je pense qu'elle est peut-être l'aînée même de Coco Agenté, qui, elle, aujourd'hui, a 40 ans. Donc forcément, Lady Ponce est dans les 40 ans et plus. On va lui juger. Est-ce que c'est une affaire qui date d'aujourd'hui? Elle a l'habitude, non? Elle a l'habitude souvent de faire des shootings où elle porte également des habits transparents, en fait, qui laissent montrer sa poitrine, en fait. De toutes les façons, pensez, Queen, faites tout, dites tout ce que vous voulez. Chacun est libre de s'exprimer comme il veut. Ça, c'est clair! Ils ont fallu même tuer. Je ne sais pas qu'est-ce qui la galvanise, ou bien c'est le fait que voilà, elle a dépensé énormément d'argent pour refaire sa chirurgie et tout. Du coup, elle se dit qu'il serait judicieux d'en profiter au max et de l'exposer au max. Mais à mon avis, c'est une mauvaise politique. Ça ne reflète en rien la femme intelligente et talentueuse qu'elle est, comme je l'ai dit dès le départ. Mais oui, c'est clair. Voilà, si tu es nouveau sur la page, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Si tu es ancien, partage tout simplement pour m'encourager. Je vous présente rapidement ce meilleur centre de formation actuellement à Yaoundé qui forme et trouve de l'emploi pour les jeunes. Écoutez bien. Blessing Business Academy est le seul centre de formation actuellement qui forme et trouve rapidement l'emploi. C'est pas vrai. Je laisse rapidement le promoteur de cette école vous citer les différentes filières. Nous avons décidé de former les gens au poste de chef comptable avec la certification chef comptable où il faut avoir au moins un niveau Bac plus 2. La certification responsable administratif et financier, il faut également un niveau Bac plus 2. Assistant comptable pour les niveaux Bac. Secrétaire comptable probatoire et Bac. Oui, certification expert en fiscalité des PME, il faut un minimum Bac plus 3. Certificat d'expert en gestion administrative et fiscale du personnel,
il faut également un niveau Bac plus 2. Voilà, vous comprenez donc que Blessing Business Academy, ce n'est pas la blague, c'est une réalité. En vrai, Blessing Business Academy est situé à Yaoundé, Emana, derrière Tradex. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Okay.